Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes lundi 8 novembre et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je commence le vlog alors que je viens à peine de fermer le dernier et pour cause, comme ça au moins je n'ai plus à me poser de questions. Nous sommes en train de faire la dernière balade du matin avec moi. Ensuite papa le prendra en charge. Et moi, j'irai travailler. On commence, on a vraiment trouvé son rythme en fait. On sait à quelle heure il veut faire pipi, à quelle heure il veut faire popo, à quelle heure faut le promener, à quelle heure faut lui donner à manger. Bref, on a réussi à s'adapter. Avec les chats, c'est très compliqué. Balbo en a extrêmement peur. Donc dès qu'il s'approche de lui, il grogne, il crache et compagnie. Mais Salem ne s'en approche pas de Balbo parce que Balbo a tendance à donner des coups de patte à tout va et je pense qu'il a senti. Avec Safre, ben, comme d'hab, Safre c'est celle qui en a pas peur en fait. Hein. C'est bon, on va peut-être arrêter de bouffer les morceaux de bois quand même au bout d'un moment, non, gars. Safre c'est celle qui en a le moins peur parce qu'elle a connu les chiens, d'autres chiens. Adams commence à donner des coups de patte, Lumos aussi, Mighty aussi, et on ne les engueulera pas parce qu'ils donnent des coups de patte parce que clairement, ce monsieur est très relou, hein, à leur sauter dessus H24, à leur aboyer après quand on s'occupe pas de lui et qu'on s'occupe d'eux. Et avec Unchi, ça va. J'évite de trop le faire sortir en ce moment parce que de toute façon, il a des gros rhumatismes en ce moment. Mais Salem va le voir depuis sa cage. En fait, il se met sur les pattes avant, il va le voir. Il lui fait des bisous et ça a l'air de passer. Mais non, je ne sais pas comment il réagirait s'il voyait le lapin courir. Bref, c'est tout pour ce matin. Nous, on va rentrer. Puis je vous dis à plus tard. Je ne sais pas quand. Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Couru partout comme un fou furieux. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est l'heure d'aller travailler pour maman. Il grogne. Elles ont même pas peur. Mais en même temps. Il la voit, il recule, tu sais. Tu recules, tu sais. Ah ouais, ouais, voilà. Le petit U. Il se cache derrière. J'y crois pas. Attends. Il y a un fil électrique. Eh ben, tu vas bien dormir, toi. Allez, c'est bon, on a assez aboyé. Allez, on avance. Non, mais c'est bon, elles ont compris. C'est un poupon. Nous sommes le mardi 8 novembre. Et comme vous le voyez, il fait nuit. Il est 6h et il fait 0 degré. On va vite rentrer. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi ces positions? Allez chouchou, on rentre. Il fait trop froid là pour rester dehors. Allez zou. On ressortira après, mais là... Je me suis commandé ça. Je l'ai reçu hier. Il adore. C'est un jouet d'occupation. Hop. Je vais essayer de croquer. Bon, comme vous l'avez vu hier, on s'est promis avec du monde. J'ai la sœur de mon chéri qui est venue nous voir avec son fils pour que son fils rencontre Salem parce qu'elle l'avait déjà vu. Il était super content. Il adore les enfants, Salem, c'est un truc de fou. Il adore les enfants. On s'est promené et on s'est fait suivre par un troupeau de vaches. Le troupeau de vaches justement qu'il avait tenté de je ne sais pas quoi faire d'ailleurs dans le dernier vlog. Et après, on est rentré à la maison. Mais je dois vous raconter un truc parce que, en fait, si vous voulez, hier, ma belle-sœur est partie et tout. Et je vois une voiture se garer sur notre parking, quoi, chez nous. Et je dis à ma mère, vas-y, c'est quoi ce délire? Qui c'est, quoi? Je me dis, c'est mon chéri qui rentre avec une nouvelle voiture que je connais pas. Je sais pas. Il me l'aurait dit, quoi, quand même. Du coup, j'y vais. J'y vais parce qu'on en a marre, parce qu'on est sur une route
Et tu peux pas faire demi-tour. Et les gens, ils ont pris l'habitude pour faire demi-tour de faire demi-tour chez nous. Sauf que ça va 2 minutes. Les gens qui font attention, qui roulent doucement et qui font gaffe en faisant demi-tour, ok, mais il y en a, ils nous font des trous sur le gravier et ça a tendance à nous gaver, quoi, parce qu'ils redémarrent à fond la caisse, bref. Du coup, je me dis, vas-y, j'y vais, quoi, parce qu'il n'est pas question qu'en plus, le type, il est bien rentré, quoi, il s'est garé et tout. Je sors et tout, vénère, ma mère, elle me dit, t'es parti, mais comme en V12. Et je pense que dans ma démarche, ça se voyait que j'étais déterminée et en colère. Ils ont reculé et ils m'ont fait comme ça. Non, mais madame, c'est les pompiers, on vient pour le calendrier. Un peu plus, c'est charger les pompiers, quoi. Bref, du coup, ça nous a beaucoup fait rire et ma mère, elle dit que je suis plus utile en chien de garde que Salem. Ce qui est pas trop faux parce qu'en attendant, lui, on a ouvert la porte, il leur a sauté dessus, il leur a fait des bisous. Hé, vous, Mister Connerie. C'est pas bon. Eh ben voilà. Tu l'as pas volé celle-là. Il s'amuse à monter sur le dos de Lumos. Il met ses deux pattes avant sur son dos, genre allez viens on joue, mais sauf que Lumos il a pas les mêmes jeux quoi. Bon, je suis obligée d'intervenir. Tu arrêtes. Il y a une biche ou un cerf juste là-bas. On vient à peine de commencer la promenade. Il n'a pas encore capté qu'on était devant ses potes. J'ose pas trop le lâcher parce que ça se voit pas trop à la caméra. Mais il est 18h et il fait presque nuit. Aujourd'hui, je le lâcherai pas. Et par contre, quand on va arriver dans la maison, enfin sur le terrain du moins, on va réapprendre à venir quand on appelle parce que... Le matin, quand on le sort, surtout, le soir ça va, l'après-midi ça va, mais le matin, il répond pas quand on l'appelle et ça m'énerve. Punaise, on voit rien du tout. Bon, mais je suis en train de lui apprendre à marcher au pied de nouveau, sauf qu'il m'attaque mes chaussures. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 10 novembre. Je suis officiellement en week-end depuis une petite heure. Et nous sommes donc allés nous promener. Comme presque tous les jours, il y a juste une ou deux fois par semaine max où je le fais pas. Apporte, apporte, apporte. Ici, ici. Nous sommes le jeudi 11 novembre et je suis toute seule à la maison avec le petit salami. Et à la base, j'étais censée manger toute seule à midi. Et en fait, Léa m'a proposé d'aller nous chercher Becca et de me rejoindre. Donc j'ai clairement dit oui. Et en fait, elle était censée revenir sans Nini parce qu'il fait froid en ce moment et que Nino n'aime pas ça. Et en fait, il fait super beau, donc elle l'amène et comme ça, on va aller les promener ensemble, je pense, au lac. Voilà. Vous rendez compte que vous aboyez sur rien du tout? Oh, c'est Nini. Il souffle. Oh bah oui, tu faisais dodo toi, t'as pas compris pourquoi il a aboyé tout d'un coup, hein? Faut aller faire pipi, Salem. C'est ça de se réveiller à 5h du matin. Il souffle.
Allez, vas-y. On y va. Non, je veux pas y aller. Ah, allez. Allez, allez, on y va. Salut, non, arrête. Faut aller faire pipi et aller manger, Salem. Bobo, Boop, t'es mouru, Bobo, t'es mouru. Dis donc, t'as pas l'impression d'abuser un petit peu? On va manger par terre, comme d'habitude. Hop. Et hop. Allez, on s'installe. Là. Allez, mon dadoums. Allez. Elle est là, ta camelle, mon bébé. Elle est là. Et oui, elle est là, ta camelle. Voilà. Fais pas la tête, Maurice. Dis donc, tu me laisses même faire le ménage tranquille maintenant. C'est fou, ça. Pas ton jouet, Salem. Nino. Si, c'est le jouet de Salem, du coup. Oh, non. Ben, je pensais pas que ça allait te plaire, moi. Sinon, je t'en aurais pris. Ben oui. Et du coup, Salem, tu le veux plus, le jouet? Non. Oh là là, bébé. Il est tombé à la renverse. On est allé au cinéma, il est resté tout seul 3h30 et il n'a pas fait une bêtise. Donc il a le droit d'être là un petit peu plus longtemps que d'habitude, du coup. Et je me fais squatter parce que je suis malade. Oui! Salem. Oui, ça suffit. Non. Nous sommes lundi 15 novembre. Il est 6h environ. Il faut que je commence à me préparer. Et Salem m'a réveillée à 4h30 aujourd'hui. Donc je préfère qu'il me réveille comme ça et de le faire sortir plutôt que nettoyer la cage. C'est juste qu'après il a un peu chouiné, mais il s'est rendormi, mais pas moi. Donc ça va être une journée assez rude, étant donné que en plus de ça on a eu 2 jours, en plus du week-end. Donc va falloir rattraper tout le retard, donc ça va être compliqué aujourd'hui. Vu que monsieur est assez récalcitrant point de vue rappel, ce matin on le bosse, j'ai pris des friandises. Il est à peine un peu moins de 7h. Et en fait, je lui montre que c'est bien de revenir quand on l'appelle, quoi. Et du coup, il me suit. C'est très bien, c'est ce que je voulais.
Ça va mieux? Ah bon. Allez, viens. Allez. Allez, on y va. Eh ben dis donc, quelle énergie aujourd'hui. On est mardi 16 novembre, il est un peu moins de 6 heures. Et j'ai déjà été réveillée il y a une petite heure par ce machin parce qu'il a vomi. Voilà. Je passe des super bonnes nuits en ce moment, c'est top. Non, on lui fait bien. Au bout d'un moment, ça va. Hein. Il va le calmer un peu. Allez, Boubou, vas-y. Allez, vas-y, Boubou. Il est à peine un tout petit peu plus de 16 heures. Je viens de partir du boulot. Ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé. Et pour cause ? En fait, j'allais pas bien. J'avais pas le moral, j'étais fatiguée. Aujourd'hui ça va un peu mieux. J'adore le froid qu'il fait là. C'est vivifiant, je trouve. J'ai refait ma décolo. Ma petite maman m'a aidée, heureusement. Je me trouve pas promener Salem avec Nini et Léa tout à l'heure. Et demain c'est mon dernier jour de travail parce que j'ai posé le vendredi pour pouvoir partir. Nous sommes jeudi 18 novembre. Je suis rentrée il y a une grosse demi-heure. Salem était enfermé dans sa petite cage parce que ma maman est allée marcher, il n'a pas fait de bêtises, tout va bien. Je sais pas du tout ce que va donner ce vlog non plus. J'ai monté le dernier, ça allait environ, mais bon. Plus on va avancer, plus ce sera facile pour moi, mais disons que Salem a besoin d'être sous surveillance tout le temps, quoi, en ce moment, parce qu'il est petit. J'ai pas mal de choses à vous dire. Je me suis fait mon petit cappuccino, parce qu'il commence à faire froid. Moi, ça me fait trop plaisir, comme je vous disais hier. Mais hier, on l'a promené avec Léa, ma mère et Nino. Nino a voulu jouer aux auto-tamponneuses, clairement, avec Salem. Mais bon, ça n'a pas fonctionné, vu sa taille. Fait deux soirées qui nous fait pipi dans la salle de bain de ma mère. Elle est ravie, bien sûr. Et je pense savoir pourquoi. À chaque fois, c'est parce que en fait, soit je vais me doucher, soit je monte une vidéo et j'ai besoin d'être tranquille. Donc, je le laisse avec ma mère. Ça lui plaît pas du tout, je pense que c'est clairement ça. Je vois pas d'autre raison, étant donné qu'on venait de rentrer de promenade les deux fois et que la journée il tient 2 heures et il tient toute la nuit. Donc ce soir il faut. J'ai pas mal de choses à faire ce soir. J'ai les valises à préparer et je sais pas, mais pas du tout ce que je vais lui prendre en jouet. Parce qu'en fait il se lasse très vite. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte que chaque jour on sort un ou deux jouets. En plus du sabot et du nerf de bœuf pour l'occuper. Et on tourne au niveau des jouets. En fait, on lui en sort, ouais, plus souvent un. Et on tourne pour pas qu'il s'habitue trop aux jouets et qu'à chaque fois, il ait l'impression que c'est nouveau. Donc, je prépare les valises ce soir. J'ai pas mal de petits trucs à faire comme d'hab, quoi. Mais voilà, ce soir, on mange tacos. J'ai trop hâte. En espérant que mon estomac me laisse tranquille parce que le week-end dernier, j'ai été malade parce qu'on a mangé trop de bêtises. Au niveau de mon traitement, ça va. Pour l'instant, ça va. Franchement, c'est même plutôt cool. Espérons que ça dure comme ça. Là, ça va faire un mois que je le prends, donc putain, ça fait déjà un mois. J'espère que le vlog sera pas trop long. Et d'un côté, ça tombe pas plus mal parce que y a des journées où j'avais vraiment pas envie de vous filmer quoi que ce soit. Donc je me suis pas forcée. J'avais pas envie d'installer les décos de Noël jusqu'à présent. Là, ça commence à me titiller un peu. Donc je vais en parler avec mon chéri et ma mère, savoir ce qu'on fait cette année. Va falloir penser à surélever le sapin encore plus que d'habitude, je pense, parce que le petit loustique, là, clairement... En parlant du petit loustique, je vais aller le promener tout de suite, qu'il soit... Bon, ça le crève plus, hein. La petite promenade de 15 minutes que je lui fais, ça le crève pas, mais bon, c'est important de le faire, et c'est important de pas faire plus.
Parce que, après, ça cause des soucis. Mon frère débarque. Il a dit qu'il finissait le boulot à minuit. Donc, normalement, il va débarquer par là. Demain matin, mon chéri fait la révision de la voiture. Et on part en suivant. Mon beau-papa va arriver. Il faudra qu'on lui explique un petit peu ce qu'il doit faire pour les chatons. Non, non, on va pas par là. On fait la grande promenade aujourd'hui. La grande de 5 minutes de plus. Et je le laisse attacher parce qu'on va passer devant les vaches. Du coup. Et j'ai pas envie d'aller courir après. Ouais, tu commences à être excitée là. Et oh, tu tombes et tout. Allez bébé, on y va. Oui, tu sais où on va là. Bon, elles sont tout là-bas. Tout va bien. Non, non, mon garçon. Allez, on avance. Viens. Assis. Couché. Et on roule. Ouais. Vraiment petit tout. Bon, les amis, nous sommes vendredi 19 novembre et hier j'ai absolument pas préparé les affaires, j'ai rien fait hier, en fait j'ai rien fait, j'ai juste fait une publi avec ma mère pour Prisme pour la pleine lune et je me suis reposée, sinon ça m'a fait beaucoup de bien. On a mangé tacos, mon chéri a pris 3 tacos et une frite, on s'est retrouvé avec 4 tacos et 4 frites. Écoutez, il y a des jours comme ça, c'est très bien parce que mon frère arrivait. Et au moins, il a eu à manger aussi, même s'il a mangé à 2h du matin. Il y en a un, il a capté tout de suite que mon frère était là, malgré le fait qu'ils soient en train de dormir, parce que la chambre d'amis était fermée, donc il s'est mis à gratter comme un fou. Et après, il a capté qu'il y avait des nouvelles chaussures. Il ne s'attaque pas aux nôtres, mais là, vu qu'elles ne sont pas là d'habitude et que c'est nouveau, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ben là, moi, c'est l'heure que je prépare mes affaires. Mon chéri est en train de faire la vidange de la voiture. Vous filmez quelques petits plans, mais je vous promets rien parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Qui c'est? T'as vu? Et qu'est-ce que c'est? T'as vu? C'est quoi ça? Tu vas te coucher? Tu vas te coucher dans ton petit panier qui est trop petit? On va aller. On va aller lui acheter un panier dans ce genre-là à Jiffy. Parce que ma mère en a vu des trop chers. Parce que il commence à être trop grand pour ce panier-là. Et il adore donc. Allez, Zou, assez discuté. J'ai préparé nos vêtements. Il me reste à préparer nos affaires de toilette. Et pour ça, il faut que j'aille me préparer et prendre ma douche. Et maintenant, on va passer aux affaires. De salade, donc je prends comme d'hab ces papiers. Quand on parle, je préfère toujours les prendre. Ensuite, j'ai réfléchi. Je vais prendre la biche et l'éléphant, je pense, parce que c'est ces deux jouets préférés. Et tous ces trucs à mâcher, deux sabots, ces croquettes, des gamelles, de quoi l'essuyer, sa ceinture. On a enlevé ta crèche. Oh là là. Premier arrêt après 1h30 de route. On a trouvé un endroit où il y a de l'herbe. Bon, Snoopy. Ils sont intenables avec toi. Hein? Je sais ce que je veux dire. Oh non, il va lui mettre une connerie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ton sabot, bébé? Mon pauvre bébé. C'est pas moi, pourquoi tu mords? C'est pas moi qui t'embête. Satin, sors de là, viens ici. Sors de là. Sors de là. Sors de là. J'aime bien parce qu'il n'ose pas aboyer parce qu'il sait qu'il va se faire engueuler, donc il fait. Ouais. Plus jamais je me plaindrai du froid des Landes.
tout est givré, il est 23h, j'essaye de lui faire faire popo, il veut pas. Parce que justement, tout est givré et que c'est trop trop bien pour jouer. Vous entendez ? Je sais pas s'il aboie après son écho ou après ma famille qui est dans la maison. Parce qu'à la maison, c'est super bien isolé, on n'entend pas parler. Mais là, on entend, donc c'est inadmissible, quoi. Il est en train de pleurer, alors que je le vois, il est sur son panier. Ça, et on l'a monté là-haut, et ça séchait là-haut, et il fallait que ça soit ventilé, il fallait que ça soit... Salmiche ! Hé, Salmiche ! T'as vu ton nouveau jouet un peu ? Il est bien, hein ? Bien ce jouet. Je la jette, c'est 63 et elle, là où elle est, elle c'est 43. Et elle est combien, elle est à combien de temps d'histoire? Elle est combien dans sa tête? Oh, pas très loin, je pense qu'ils sont tous à une demi-heure de route, tout va bien. Ouais, donc ça aurait été en plus probable de la croiser, ah, oui, quoi. Oui, oh, putain, t'imagines le truc, tu la croises dans le rayon. Mais Léa, ah non, moi c'est pas Léa, c'est Jacqueline. C'est Georgette. Bon, comme vous l'avez vu, on a fini de décorer la salle. Et maintenant, on va voir les poneys, parce que mon chéri l'a amené et apparemment, il leur fait des bisous et les poneys l'adorent. Donc, on va voir les poneys. Doucement, Salem. Ils n'ont pas forcément envie de jouer avec toi, tu sais. On attend l'invité principal avec Salamouche. On s'est installé par terre parce qu'on en a marre d'attendre nous. Non mais, vous êtes un peu teubés les gars, vous lui donnez raison, il aboie, vous venez. Non mais sans déconner. T'es pas un berger pour rien toi, hein? T'es le berger des chevaux, c'est ça? Oh là là, c'était pas prévu moi, je voulais juste lui faire faire ses besoins, qu'on range nos affaires et qu'on se casse quoi. Mais non, faut aller voir les chevaux. Oh, j'ai les pieds trempés. Chouchou, tu fais chier. Je vais devoir changer de chaussettes. T'as ce besoin d'aller voir les poneys. T'es comme ta mère, toi. Alors, on fait quoi maintenant? Ben oui. Maintenant, tout le monde, il est venu. On fait quoi? C'est des copains, regarde. Non, mais ils sont tous là, quoi. J'y crois pas. Ils sont... Dans mes rêves les plus fous, quand j'étais gamine, j'ai toujours rêvé que les chevaux viennent me voir comme ça, quand je les appelle. En fait, fallait avoir Salem. Bon, tu te tais, Mireille. Il y en a un qui est ultra content d'être venu à la maison. Il fait le fou furieux. Allez, viens, fou. Non, mais regarde comment t'es. T'as vu? Ça va mieux? Maintenant que je filme, tu t'arrêtes? Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes bien rentrés à la maison. Il a été très sèche sur la route, sauf la dernière heure, il en pouvait plus, je pense. Après, hier soir, quand le temps de tout ranger, on courait partout. Et ce matin, il est très en forme, donc je le crève un peu pour ma mère et mon chéri. Et puis c'est surtout qu'il écoute absolument rien ce matin. Ce matin, il mord de nouveau, il vient pas quand on l'appelle, il arrête pas quand on lui dit non. Je suis énervée très fort ce matin. Comme vous le voyez, ça l'a traumatisé.
et je vais aller bosser. Donc je vais le crever au max pour qu'il dorme. Puis voilà. T'apportes la balle, Salam. Salam. Il y a les infos à la radio, donc je me dépêche parce que j'aimerais bien entendre ce qui se passe en ce moment. Et ben ça va être une journée hyper, hyper chargée parce qu'en fait, je vais devoir quitter le boulot à 15h30. Je sais même pas si j'aurai réussi à faire des heures. J'espère, je vais tout faire pour. Parce que Salem a rendez-vous chez le véto à 16h30. C'est à environ 20 minutes de la maison, mais le temps que je rentre du boulot, que je l'attrape, que je prenne ses papiers et tout. Et c'est surtout qu'il faut que je fasse le plein de ma voiture. Je viens de me rendre compte que je l'ai pas fait ce week-end, alors que j'aurais pu, mais j'étais crevée aussi, donc c'est normal. Et bref, de toute façon, c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. Enfin, c'est pas fait, c'est pas fait. Donc, ouais, ça va être du sport. Nous sommes mardi, il est 7h27 exactement. J'ai 3 minutes pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Le vlog va s'arrêter là. Je vous explique pourquoi, parce qu'il est assez long. Et qu'ensuite, on va passer sur les vlogs de décembre. Je suis à la bourre absolument partout à cause du voyage. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. Salam a été très sage tout le long du voyage. C'est juste qu'à l'aller, il a vomi parce qu'il a bouffé des bêtises comme d'habitude. Et au retour, il ne voulait pas faire ses besoins parce que où on s'arrêtait, c'était dégueulasse. Les aires d'autoroute, c'est un enfer. Deuxième chose que je voulais vous dire, je voulais vous parler de notre congélateur qui est en panne et du renvoiement de balles entre le technicien et le magasin qui nous l'a vendu. On nous dit d'un côté que c'est pas eux qui doivent prendre la décision, de l'autre côté on nous dit exactement la même chose. Au départ on nous disait que c'était juste un problème d'écoulement d'eau, après c'est parti sur une résistance qui a chauffé, et ensuite on nous dit que tout est en panne et que c'est une panne très très rare qui n'arrive jamais, sauf à nous évidemment. Voilà, donc vous saurez plus sur ce congélateur et moi aussi dans le prochain vlog. Je ne vais pas vlogger cette semaine, je vlogue ce week-end pour, normalement, les décorations de Noël. Je suis chez mon beau-papa, j'ai carrément oublié de vous parler du fait que Salem avait rendez-vous hier chez le véto du coup, et que tout s'était très bien passé, il est en très bonne santé, il continue à grossir comme il faut, il fait 6,75 kg, et voilà, tout s'est bien passé, tout est ok, il est en pleine forme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, vous pouvez me suivre sur les autres réseaux et pour le reste je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.